Jeudi matin, à 7h15, le téléphone sonne chez les Bello. Mireille vient à moitié endormie à l'appareil. Allô ? Nous avons gagné ! Nous avons gagné ? Qu'est-ce qui a gagné ? Nous, toi et moi. Nous avons gagné quelque chose ? Qu'est-ce que nous avons gagné ? 400 000 francs ! Mais oui, c'est dans le journal ! Tous les billets qui se terminent par le chiffre 80 à 27 gagnent 400 000 francs ! 400 000 balles ! Ce billet de loterie gagne 400 000 francs ! Mais tu n'as acheté qu'un dixième. Ça, c'est malin, alors. Je prends la peine de choisir un billet gagnant pour la première fois de ma vie et toi, tu n'achètes qu'un dixième. Ça ne fait que 40 000 francs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ben oui. Ce que nous avons acheté l'autre jour, ce n'est pas un billet entier. Ce n'est qu'un dixième. Le billet a gagné 400 000 francs. Chaque dixième a gagné 400 000 francs divisé par 10. Ça fait 40 000. C'est ça, non ? Tu veux dire qu'on a gagné que 40 000 ? Ben oui. Remarque que 40 000 francs, ce n'est pas si mal que ça. C'est déjà pas mal. Te voilà riche. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu suggères ? Eh bien, tu pourras entretenir une danseuse de l'opéra. Bien que ça ne se fasse plus beaucoup aujourd'hui. C'était plutôt pour les riches banquiers. Qui est du siècle dernier. Ou tu pourrais acheter une île déserte dans le Pacifique. Ou aller explorer les sources de l'Amazone. Ça se fait beaucoup. C'est ainsi les sources de l'Amazone. Mais avec 40 000 francs, tu n'iras pas loin. C'est cher pour remonter l'Amazone. Ah non, de toute façon, l'Amérique du Sud, je connais. Ça ne m'intéresse pas. À moins que tu viennes, bien sûr. Mais avec tous ces piranhas, ce n'est pas commode pour se baigner. Tu ne préférerais pas qu'on aille explorer la France ? Ce serait moins dangereux. Brrr, la France, tu sais, je connais un peu. Mais j'avais d'autres projets pour cet été. J'avais pensé à la Yougoslavie. Ou la Suède, ou alors les chutes du Zambèze, ou les chutes d'Inguassu, ou les chutes du Niagara. Tu vois, ce qui m'attirait, ce serait plutôt la nature sauvage, la grande nature américaine. Écoute, il faut que nous en parlions, mais pas au téléphone. On pourrait pas se voir ? Quand ? Maintenant ? Non, écoute, t'as vu l'heure qu'il est ? Il n'est même pas 7h30. Je ne suis même pas habillée et il faut que je fasse déjeuner Marie-Laure. Bon, alors à 9h. Disons 10 heures au Luxembourg, près de la fontaine Médicis. Bon, d'accord. À tout de suite, au revoir. Mireille téléphone aussitôt à Hubert. Allô, Hubert ? Qu'est-ce que tu fais à midi ? Tu es libre ? Bon, déjeune ensemble ? Où ça ? À rue de Rivoli, chez Angelina. Ok, si tu veux. Bah, à midi et demi, chez Angelina. Je t'embrasse, à tout à l'heure. Salut. Et Mireille va préparer le petit déjeuner pour Marie-Laure. Alors, Marie-Laure, ça y est ? T'es prête ? Ouais, j'arrive ! Trouve pas mon livre de français ! Dépêche-toi ! Marie-Laure s'installe devant son bol de chocolat à la table de la cuisine et se fait une tartine avec un fond de pot de confiture. La confiture, c'est comme la culture. Moins on en a, plus on l'étale, comme dit tante Georgette. Robert, lui, dès 10h moins 10, fait les 100 pas devant la fontaine Médicis. Il a déjà acheté une carte de l'ensemble du réseau routier français, la carte Michelin numéro 989. Enfin, à 10h10, Mireille arrive. Te voilà, tu as mis le temps. Écoute, voilà ce que je te propose. Avec nos 40 000 francs, on loue une voiture et on part sur les routes.
Et là, doucement, t'excites pas? Minute, papillon, je t'ai pas encore dit que je partais, moi. Tu peux pas me laisser partir tout seul, je me perdrais. Tu sais bien que je suis venu en France pour me trouver. Tu verras, ce sera très amusant. On ira où on voudra. On pourra s'arrêter dans les auberges de jeunesse. Il paraît que c'est très bon marché. On pourra faire du camping. Et puis, de temps en temps, avec tout l'argent qu'on a, on pourra descendre dans les palaces. Rien que pour voir la tête des clients quand ils nous verront arriver avec nos sacs à dos, nos sacs de couchage et nos barbes de 3 semaines. Je n'ai aucune intention de me laisser pousser la barbe. Et puis, j'ai bien un sac de couchage, comme toutes les jeunes filles de bonne famille, mais je n'ai pas de sac à dos. Et puis, tu sais, je n'ai pas grand-chose comme matériel de camping. Pas de problème, c'est simple, il n'y a qu'à en acheter. Si tu veux. Mais rien de presse. De toute façon, moi, je peux pas m'en aller avant 15 jours. J'ai un examen à passer lundi en 8. Et puis, il faut que je dise au revoir à mes enfants. Quels enfants? Un groupe de gosses dont je m'occupe. Mais si tu veux, en attendant, on peut aller un tour dans un grand magasin, si ça t'amuse. Ça n'engage à rien. Taxi. Maintenant qu'on roule sur l'or, on peut se payer ce luxe. On va rouler en taxi. Tiens, voici justement un. Mireille ouvre la portière et recule avec un cri. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, il était pris, il y avait quelqu'un dedans. Un drôle de type tout en noir. Il me semble que je l'ai déjà vu quelque part. Il a fait comme s'il voulait m'attraper le bras et me faire monter dans le taxi. Tu es folle? Mais non, je t'assure, il a avancé vers moi une main velue horrible. Avec des ongles en deuil. Bizarre. Bizarre.